Alors, reprenons notre épisode. Sauf que, bon, il y a eu un tout petit morceau de cet épisode qui ne sera pas dans l'épisode. Parce que je suis mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait un livreur. Donc j'ai dû laisser ma manette posée. Et pendant ce temps-là, mon personnage est mort. Voilà, bon, on n'avait rien fait. On a fait 2 minutes, on avait été pas loin. Mais en fait, c'est fou parce que, en vrai, je pense honnêtement que les livreurs guettent. Quand est-ce qu'il est en stream? C'est bon, il est en stream? Allez-y! Livraison! J'ai vraiment cette impression de temps en temps. Parce que j'attends des fois. Tu vois, j'attends. Des fois, le livreur, je me dis, ok, c'est bon, il passe entre 8h30 et 9h30. Bon! Et bah, j'attends 9h30, 10h. Puis, de toute façon, j'ai du taf à faire, donc c'est pas grave, je taf en attendant. Et après le livreur, je stream. Sauf que du coup, quand il est pas là entre 9h30 et 10h, enfin entre 8h30 et 10h, je me dis, bon, c'est pas grave, je stream, tant pis, il passera demain, ça veut dire qu'il passait pas aujourd'hui. Je lance le stream, il sonne. Dès qu'on lance un épisode de Let's Play ou quoi que ce soit, c'est toujours comme ça, c'est incroyable. Je pense qu'il guette. Je pense. Alors, on va y voir ce qu'on a là-haut. Bah écoute, je vais tout prendre, d'ailleurs. Je suis content d'enfin pouvoir aller ici, avec les lianes. Oh, ouais. Oh, c'est stylé de là-haut. Je fais super bien la poule. Ah bah oui. Bah oui, mais vraiment, j'ai l'impression d'être une poule avec un couteau quand des trucs volent pas. Oui, on me le dit souvent, je fais très bien la poule. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà, il y a des gens qui ont des talents géniaux dans la vie. Moi, je sais bien faire la poule. Voilà. On n'est pas tous lotis, on n'est pas tous pareils, hein. Des lianes. Bon, attends, tu sais quoi, hein. Paf. Est-ce que je vais trouver une liane par là? Sur un CV, ça peut faire toute la différence, hein. Bien sûr. À mon expérience professionnelle, j'ai travaillé dans un office notarial de telle date à telle date, et je sais très bien faire la poule. Donc si jamais ça vous intéresse, je pense que c'est une énorme plus-value pour votre office notarial. Vraiment. Honnêtement, je ne sais pas comment vous pouvez faire sans. Je pense que grâce à cela, nos clients seront satisfaits de nos prestations. Évidemment, voilà. Bah oui, non mais vraiment. Évidemment. Voilà. Évidemment. Excellent. Alors, retournons par là. Voyons voir. Donc, où est-ce que j'étais mort? J'étais mort quelque part. Je suis mort quelque part par là. Ou pas. Je sais que je suis mort par là-haut. Là, ici, je crois que c'était là. Les poules aussi achètent des biens IMO et font leur testament. Ah ouais, tu penses? Je pense qu'il y a des poules qui font ça. Oh, mais oui, j'avais mes explosifs du coup, que j'ai failli perdre mes explosifs. Oh la vache. Alors ça m'aurait ennuyé quand même. Ah, les explosifs, ça m'aurait fait yesh, je le dis. Voilà, parce que bon, on avait deux petites allumettes un peu sympas. Voilà, tu vois. Ah bah de toute façon, non. Enfin oui, je pourrais, cycliste, oui. Après, j'ai un avantage, c'est que... Bah en fait, ma chaîne YouTube, bah c'est pas mon seul revenu, donc quelque part, moi j'ai une sécurité, tu vois. Bah il faudrait qu'Internet cesse d'exister, quelque part. Voilà, si Internet cesse d'exister, bon, je retournerai à ce que je faisais avant, ça me pose pas un problème. J'adorais ce que je faisais avant, c'était autre chose. Ça ne me pose pas de soucis. Je pense que c'est ça en fait, c'est ça aussi l'avantage du fait que je sois là aujourd'hui avec vous. C'est que moi, c'est un choix, tu vois. Moi, c'est par choix que je suis là. C'est moi qui ai décidé du jour au lendemain de quitter mon bureau. Bah en fait, c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait avec le Covid. Avec le Covid, on a vu énormément de gens quitter leur taf pour changer de vie. Bah moi, je l'ai fait quelques années avant, tu vois. Mais c'est vraiment un choix. Donc quand t'as choisi, en fait, c'est pas vraiment la même chose. Tu vois, il y a des gens qui sont là par, entre guillemets, par obligation parce qu'ils n'ont pas eu le choix de choisir de changer de voie, entre guillemets. Moi, l'avantage, c'est que je l'ai choisi, tu vois. Est-ce que ça me manque pas des fois? Si, en fait, ce qui me manque des fois,
Je vais être très franc, c'est l'intellectualisation du métier, et ce que je vais dire n'est pas méchant, ce n'est pas méchant, mais l'élévation des débats et des discussions avec les gens du même milieu. Quand tu fais des previews, quand tu... Alors, il y a des gens qui sont très chouettes avec qui tu peux parler et avoir des discussions intelligentes et tout. Mais quand tu fais des press tours, quand tu fais des previews, des machins, des trucs, en fait, il y a vraiment... Tu rencontres beaucoup de gens qui, du coup, sont des influenceurs, des créateurs de contenu, des machins, des trucs. Mais en fait, pour beaucoup, ils font ça depuis tout le temps et... Et du coup, en fait, ils ne parlent que de ça. Genre, vraiment, c'est vraiment que ça. Et c'est un peu fatigant, des fois, sur ce genre de choses. Je ne suis pas en train de dire, forcément, que je veux parler d'autre chose tout le temps. Mais ça fait du bien, tu vois, de ne pas avoir que ça comme sujet de discussion. Tu vois, moi, je sais que, par exemple, en dehors de mes chaînes, enfin, j'ai ma vie privée. J'ai ma vie privée, je vais au musée, je fais des théâtres, je vais à l'opéra, enfin... Moi, je fais énormément de choses. Je fais énormément de choses à l'extérieur. Et en fait, quand tu rencontres des créateurs avec qui tu peux discuter de plein de choses, c'est cool. Il y en a certains, la discussion, elle arrive très vite à bout parce que... C'est pas méchant, encore une fois, mais voilà. Tu sens que la discussion, elle peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc, ce qui me manque peut-être le plus, je dirais que c'est ce côté-là. Je dirais que c'est le côté plus intellectuel, ouais. Ça me manque un peu. Je l'avoue. Par chance, j'ai un cercle privé. Mais ouais, de temps en temps, c'est peut-être, c'est... voilà, clairement. Je dirais que c'est ça. Tu vois, c'est pas être pédant ou prétentieux ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que voilà, moi j'ai fait des grosses études aussi et du coup des fois ouais. Est-ce que ah oui, oxygène. Tu vois, c'est ce côté-là. Mais il y a rien de méchant, encore une fois. Je ne juge pas les gens ou quoi que ce soit. Juste, voilà, le niveau des échanges et des débats que tu peux avoir en fonction des milieux n'est évidemment pas le même. Mais il y a rien de méchant ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est juste que oui, ça me manque aussi. Et puis bah, le métier était très chouette. Mais voilà. Bah, c'est un univers qui est particulier aussi, le jeu vidéo en tant que tel. Putain, je vais retourner à la base. Après, il y a des gens qui sont extrêmement cultivés, avec lesquels il est effectivement très intéressant de pouvoir discuter de tout et de rien. De même que pouvoir discuter de l'industrie en tant que telle est agréable, tu vois. Il y a des vidéos sur le côté juridique qui te permettent aussi de faire des articles un peu plus poussés. Tout à fait. Bah, c'est pas les vidéos les plus vues, encore une fois, parce que c'est pas ce qui est recherché, encore une fois, par les gens qui veulent bah, simplement se détendre sur Internet. Et je peux pas leur reprocher. Tu vois, je peux pas reprocher aux gens sur Internet de vouloir se détendre. Donc oui, les vidéos juridiques, c'est ce que je préfère faire du coup, bien sûr, parce que c'est mon domaine. Et qu'encore une fois j'adore faire ça. Mais je sais que ce sont les vidéos les moins regardées, mine de rien. Mais c'est pas grave, il y a tout le reste. Il y a tout le reste aussi sur la chaîne. Tiens. Pourquoi j'ai de l'osmium là? Ah bah il y a une météorite qui a dû tomber. Ouais. Ouais, je virais ça. Donc ouais, des fois ça manque pour ce genre de choses, mais à côté de ça, c'est plein de choses différentes, tu vois. Comment t'arrives à faire tout ça? J'y vais, cuisine, opéra, théâtre, vie de famille. Je m'organise. Je bosse 40 heures, 15 heures de sport semaine, j'ai quasiment plus de temps pour lire, pour le JV. Bah en vrai, j'ai un programme qui est très... Qui est très calé, moi. Donc j'arrive à faire tout ça parce que je m'organise beaucoup. Comme vous le savez, moi, chaque jour, si tu regardes un peu en ce moment, par exemple, la chaîne principale, c'est 2 vidéos par jour. J'en parle régulièrement, mais tu vois, la chaîne principale, c'est 2 vidéos par jour. La chaîne secondaire, c'est 1 à 2 vidéos par jour qui sont des rediffs que je dois traiter, monter, machin, bidule de stream. Donc on dit 3-4 vidéos parce que des fois, il y a 2 épisodes par jour sur la chaîne secondaire, ça dépend. Donc ça fait 4. Ensuite, il y a le stream. Ensuite, il y a 2 ou 3 TikTok sur la chaîne jeux vidéo.
pour des news. Donc ça fait 6-7 vidéos. Et derrière, il y a une vidéo cuisine au moins une. Donc on est à 8. On est entre 8 et 9 vidéos en fait par jour sur l'intégralité des chaînes, plus le stream, plus les contenus Insta que je ne compte pas là-dedans. Donc moi j'ai un programme, tu vois, genre chaque jour j'ai des horaires dans lesquels je fais certaines choses. Bon là avec le Summer Game Fest ça a été un peu plus tendax, c'est pour ça que je me couchais beaucoup plus tard parce que bah il y avait forcément les grosses conférences à assurer, les machins, les trucs, mais j'ai un gros programme. Et tu vois, genre le soir moi je fais des horaires, je fais 7h du matin, 19h le soir, tu vois, genre merci Alexandra qui a offert un sub à Comme un cycliste qui devient du coup boss du stream. Merci Alexandra. Et bien voilà, Comme un cycliste est devenu boss de stream grâce à Alex. Merci Alex. Merci beaucoup. Et bien j'espère qu'il te remerciera en bonne et due forme. Et donc du coup voilà, moi j'ai un programme qui est vraiment calé tous les jours, qui fait que bah, je suis mon programme en termes d'horaire à peu près. Je fais 7h-19h tous les jours, du lundi au vendredi, samedi. Alors des fois le week-end, ça dépend quand il y a des choses, quand il y a des plus grosses choses. Des fois ça m'arrive de dépasser le soir, mais ça après ça dépend de la vie privée aussi. Ça dépend comment on s'organise en privé. Mais je fais 7h-19h tous les jours. Donc je fais des grosses journées. Si tu regardes bien, ça fait 12 heures. 12 heures du lundi au vendredi. Les 35 heures, ça n'existe pas pour moi, c'est fait en 2-3 jours. Surtout qu'en plus en général, des fois je rentre, il est 19-20 heures. Donc ça me permet aussi en fait de faire plein de choses. Et puis moi j'ai besoin de faire plein de choses. Comme je te disais, mon travail d'avant c'était un travail où je bossais énormément. Donc en fait bosser moins, pour moi ça serait quand je bosse moins j'ai l'impression de rien foutre. Ça paraît peut-être paradoxal, mais si je bosse moins j'ai l'impression de rien foutre. Voilà. Donc c'est pour ça, ça me fait doucement rire quand quelqu'un fait une vidéo d'actu tous les jours et dit « Ah, je bosse énormément ». Pardon, tu fais une vidéo d'actu qui dure 12 minutes, tu la postes et après tu dis que tu bosses beaucoup. Tu m'étonnes quand on demande à ces genres de personnes « Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur comment fonctionne ta journée ?» qui dit « Bah non, pas trop ». Non, bah tu m'étonnes. Putain, se tourner les pouces 80% du temps. Après, chacun fait comme il veut. C'est pas un jugement, c'est juste ma façon de voir les choses. Mais dire je bosse beaucoup quand je fais une vidéo d'actu par jour, bon, ah, non, 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 c'est vraiment mentir que de dire ça. Donc, mais encore une fois, on n'a pas tous les mêmes manières de travailler, voilà, c'est tout, aussi. On n'a pas tous, moi j'adore bosser pour ce que j'aime, tu vois, genre pour moi, quand je bosse dans quelque chose que j'aime, je vois pas le temps passer. C'était le cas quand je bossais dans mon office avant, c'est le cas quand je bosse maintenant pour faire des contenus. Je passe beaucoup de temps sur les montages, beaucoup de temps sur les tournages, beaucoup de temps sur les traitements, mais j'aime parce qu'après je sais que vous, ça va vous, tu vois, il y a vraiment ce côté divertissement derrière et je trouve ça cool, moi je trouve ça chouette. Et j'aime bien avoir plusieurs chaînes avec plein de trucs différents, tu vois, genre la chaîne de stream, la chaîne de JV, la chaîne de cuisine, la chaîne Insta, enfin... Moi j'aime bien avoir plein de choses différentes, tu vois, et c'est parce que c'est une passion qu'aujourd'hui, je vois pas le temps passer et que je vois pas les années passer. Ça fait déjà 7 ans, ça fait 6 ans du coup que je fais ça à plein temps, et ça fait 7 ans que la chaîne est ouverte, mais ça passe tellement vite, je sais pas si vous vous rendez compte, mais dans 3 ans, ça fera déjà 10 ans Que la chaîne est ouverte, c'est fou. Vraiment curieux de voir l'envers du décor quand même. Bah déjà, je vais vous faire la vidéo setup dans pas longtemps. Je vous ferai l'arrivée. J'avais prévu pour la vidéo setup de faire sur TikTok un format en mode, l'arrivée au bureau le matin, avec l'allumage des lumières, l'arrosage des plantes, l'allumage de l'ordinateur. Vraiment un petit format un petit peu cool pour vous expliquer comment ça se passe le matin quand j'arrive, ce que je fais dans l'ordre et tout, tu vois. Genre moi je sais par exemple, la première chose que je fais le matin quand j'arrive au bureau, c'est m'occuper de mes plantes. Genre vraiment je m'occupe de mes plantes, j'arrose mes plantes, je parle à mes plantes. C'est vraiment genre c'est mon petit quotidien, tu vois. C'est vraiment, ça c'est mon petit bonheur. Le matin mes plantes c'est ma vie, tu vois. Quand j'arrive ici, quel bonheur. Ah j'ai plus d'oxygène, je vais crever comme une bouse. Mais voilà, tu vois. Le j'avais pas de setup au début. Au début, j'avais un téléphone portable et un MacBook Air qui me servait à suivre mes cours à la fac.
J'avais pas de setup au début. Moi, j'étais avec le micro de mon téléphone. Si les gens me suivent depuis le début, vous vous souvenez des vidéos Gaming News sur mon balcon de l'époque avec mon téléphone et mon micro du téléphone. J'avais un MacBook Air qui en 2017, je l'avais depuis 2012. Je l'avais depuis 2000. Attends, non, même pas, je l'avais depuis 2009. Attends. Mon MacBook Air, c'est le modèle de 2010. Donc non, tu vois, j'avais mon MacBook Air depuis 7 ans qui était tout défoncé dans tous les sens parce que j'étais tombé de multi. Je l'ai toujours, hein, il est dans les cartons, je l'ai jamais jeté. J'avais un vieux MacBook Air qui était défoncé de tous les côtés. De stigmates de toutes les fois où j'avais couru sur le parking de la fac avec mon sac pour aller en cours ou pour partir, etc. Il était enfoncé de tous les côtés, mais il fonctionnait. Mais c'est ce qui me servait à me faire mes montages. Donc voilà. Pour moi, je n'ai que des bons souvenirs. Tu vois ? Je n'ai que des bons souvenirs parce que c'est une chaîne qui prend son temps et qui me ressemble. Et que j'aime et que je construis au jour le jour en m'améliorant sur plein de choses. Hein. J'ai jamais fait les choses. J'estime jamais qu'une quelque chose est parfait. J'ai déjà fait des erreurs sur plein de choses. Je referai encore. Mais non, mes chaînes, du coup, sont vraiment mes bébés, tu vois. Les guignols dans la nature, c'est ce que je préfère faire aussi. Moi aussi, quand j'ai l'occasion, bah là, avec l'été qui revient, bah en vrai, c'est pas l'été que je préfère les faire. Enfin, si, l'été, je préfère les faire en forêt. Les gaming news. Les gaming news sur la dune du Pila, l'été c'est un peu chiant parce qu'il y a beaucoup de gens. Le meilleur moment pour faire les gaming news à la dune, c'est vraiment l'hiver. Parce que moi, j'adore le froid. Et donc, du coup, me retrouver sur la dune du Pila. Tu vois, par exemple, j'ai un réveil qui vient de sonner, 11h30, c'est le moment où je sors ma vidéo cuisine qui est prête, que j'ai fini de monter tout à l'heure. Tu vois ? J'ai des réveils tout le temps, par exemple, tu vois. J'ai des réveils tout le temps avec des timers, des machins. La semaine, c'est tout le temps comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, la dune du Pila, moi je préfère l'hiver. Parce qu'encore une fois. Bah, y'a personne l'hiver, il fait froid, moi j'adore là-haut, ça gèle un peu, quelle merveille, voilà. C'est que le dernier. Voilà, bon, parfait, voilà, comme ça, tu vois, ma vidéo là, elle vient de sortir. Ah, cool, en cours de livraison, ah, stylé. Les produits sont chargés dans le camion, vous devrez la sortir très prochainement. Ah cool, bah, très bien, tu vois là j'attendais quelque chose. Très bien. Voilà, par exemple là je viens de sortir ma vidéo cuisine parce qu'à 11h30 c'est l'heure de la vidéo cuisine. Donc elle vient de sortir sur la chaîne cuisine. Voilà. Tu m'as réconcilié avec le JV, je ne pouvais plus voir les JV, les comptes et plats, tu m'as fait découvrir les jeux indés. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de lire. Bah les jeux indés, ouais. La vie. Attendant que t'aimes le froid, pourquoi vient de la Réunion ? Bah oui, parce que pour la simple et bonne raison que en fait j'ai vécu 7 ans à la Réunion et en fait je pense que j'ai fait ma cure de chaud. Après j'ai toujours préféré le froid et la neige. Moi j'ai suivi mes parents à la Réunion parce que on a déménagé à la Réunion pour des raisons professionnelles. Et j'ai vécu 7 ans à La Réunion, c'était 7 ans qui étaient, cette année qui était incroyable. Et puis bah, j'ai survenu en métropole pour terminer mes études sur Bordeaux. Et puis bah, je suis resté. Voilà. Mais j'ai toujours préféré. Voilà. Bah, c'est gentil pour un cycliste. Bah, c'est très gentil. Ça me touche. Mais ouais, j'ai toujours préféré le froid. Le froid, la neige. C'est ma vie. J'aurais pu vivre en montagne, je l'aurais fait avec grand plaisir. Bon, c'est pas trop compatible avec plein de choses, mais ça aurait été. J'aurais pu, ouais, ça aurait été génial. Ah bah tiens, cobalt, je suis full en cobalt. Voilà, très bien, ça m'arrange. Parce que du coup, on a pu refaire un peu les stocks. Pareil, on a refait le stock de silicium, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et mon osmium, c'est pareil. Bon bah écoute,
Bon, on pourra faire de l'exposition. Il nous faudrait pareil du soufre. Il faudrait que j'aille chercher, en fait, le soufre. Retourner à la Réunion. Alors, y revivre, non. Mais en vacances, ça m'est déjà arrivé, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Et revivre à la Réunion, non. Non, j'ai fait mes années là-bas. C'était très bien. Mais retourner y vivre, peut-être pas. Après, j'ai toujours des potes qui sont là-bas, qui sont jamais partis, qui vivent là-bas, qui sont nés là-bas. Voilà, tu vois. Je vais aller. Je vais manger ça, je vais aller chercher le soufre. À ce moment-là, on va aller chercher pas mal de ressources aujourd'hui. Le soufre, il est derrière. Après, est-ce que je mettrais pas un deuxième extracteur pour le soufre? Parce que j'en ai besoin de pas mal pour faire péter des choses. Attends, je vais mettre un deuxième extracteur. Extracteur. Ah oui, attends. Extracteur 2, barre d'iridium, barre de super alliage. 2 barres d'iridium. Non, ça serait mettre trop. La chaleur, c'est la vie. Bah, tu vois, moi, je préfère le froid. Je préfère le froid, perso. Je te comprends, moi, je pars du principe que tu peux juste bien t'habiller quand il fait froid, mais la gagne, tu peux partir et ta peau. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça. Après, j'ai la chance d'avoir une thermorégulation qui est assez particulière, moi. Donc, en fait, comment dire? Donc, je suis bien partout. Je suis bien partout. En été, mon corps est plutôt froid. C'est une pièce dorée? C'est une pièce dorée? Ah non. Et en hiver, mon corps est plutôt chaud. Donc, bonjour à ceux qui débarquent. Donc là, j'ai la chance de ça. Mais je préfère le froid, ouais. Je vais tout faire. Ah bah très bien. Bon, alors, est-ce qu'il faut un souffle? Attends, tu sais quoi, je vais tout récupérer, je vais faire une plateforme et je vais mettre un coffre à côté pour pouvoir stocker les choses. Voilà, je vais stocker les trucs qui me servent à rien. Je vais stocker tout ça comme ça. Ce jeu est sans fin. Ah non, il est pas sans fin, mais... On avance. Est-ce que la vidéo est bien sortie? Oui. Ok. Allez hop. Je me suis rendu compte que je m'étais endormi sur le live hier soir. Yes. Attends. Hop là. Je sais pas où il y avait trop la musique. Bah ouais, les musiques d'Ubisoft hier soir. Ouais, c'était chouette. Ouais, toi, tu t'es endormi avec la musique d'Ubisoft. Alors, le soufre, j'en ai pas mal. L'iridium aussi, on pourra refaire des charges si jamais. Ça, c'est bien. Bon, si je suis content, on a bien refait nos stocks. On est comment en uranium? C'est parfait. Bon, je propose d'aller faire péter quelques trucs avec nos bombes. Et d'aller explorer un peu. Allez, c'est parti. Hop là. Pas ici, là. Faux départ. Prochaine conf, bon, on sait pas. Ah bah on sait pas. Pour l'instant, le Summer Game Fest, pas pour l'instant, c'est que le Summer Game Fest est fini. Là, ça y est, le Summer Game Fest est fini. Maintenant, on attend de voir quand est-ce que Nintendo fera son Nintendo Direct. Est-ce qu'aujourd'hui, ils vont annoncer que ça sera demain ou est-ce que ça sera la semaine prochaine? Moi, je partirais plus sur l'idée que c'est la semaine prochaine, mais bon, on sait jamais, on verra. On verra bien. Ah non, rien d'annoncé pour l'instant. Il n'y a rien d'annoncé pour l'instant. Allez hop. Le vaisseau, on est déjà allé pour voir. Donc on va continuer par là. Je sais qu'il y avait des cavernes à faire péter. Ah, et du coup, il y a des arbres qui sont arrivés par ici. Excellent. Ah, c'est chouette. Ah oui, il y a mes panneaux solaires là-bas, c'est vrai.
C'est vrai qu'il y avait panneaux solaires là-bas. Alors il y a une map qui est là, mais elle n'est pas hyper précise pour l'instant. Il faut que je la développe. Oh, alors regarde ça. Alors, je crois qu'il y a quelque chose derrière la cascade. Hein. Oui, tout derrière la cascade. Ah bon, oh, 3 barres d'iridium, incroyable. Incroyable. Bah alors là. Oh, c'est fou. Je crois qu'il y avait un truc à faire péter par là. Alors déjà, je récupère ça évidemment. Le quartz. Parce qu'on en aura bien besoin après, je pense. C'est sûr, c'est une ressource que j'ai récupérée, mais pas en abondance. Donc je me dis qu'on aura certainement besoin plus tard. On verra ça, j'en récupère. C'était... Ça doit être plus loin par là. Ah. Tiens, pareil. Regarde donc. Je l'ai pas ça. Je l'ai pas ça. Excellent. Quartz Khazar. Nouvelle grotte. Nouvelle grotte, nouvelle ressource. Ok, en plus du coup j'ai débloqué le succès pour avoir découvert cette grotte. Ok, en plus elle est pas très loin de la base. Il y a des trucs derrière là. Waouh. Ok, attends, c'est une grotte qui a l'air d'être assez labyrinthique. Ouais, mais attends, il y a quoi dans ces alcôves? Le quartz solaire, enfin! Je pensais que j'allais devoir le crafter. Incroyable! Mmh. Oh, j'en trouve enfin! Oh là là, mais quelle merveille! Ok, alors, j'en ai vraiment besoin de ça. Pour le coup, je sais que j'en ai besoin pour pas mal de choses. Ah ouais, j'ai plus de place. Oh là 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 là, très 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 content. C'est quoi celui-là? C'est quoi ça? Le quartz blaze. Ah, je l'ai pas celui-là. Je l'ai pas celui-là. Ah, j'en ai pas de bleu. Ok, bon, on va revenir ici. Incroyable. Ok, il faut qu'on fasse un aller-retour. Il faudrait que je fasse des balises aussi en fait. Merci Mister Vivetta. 51e mois de sub. Merci beaucoup. Et grâce à toi, ici la vie de notre boss de stream baisse. Ah, il y a quelqu'un qui utilise un marteau piqueur. Très agréable. Enfin, si vous l'entendez, moi j'ai le sol qui vibre. C'est super. Merci beaucoup pour ton 51e mois. Bon, on a enfin du quartz. On va pouvoir construire plein de choses. Oh, quel enfer. Tu n'entends que le vent, bah c'est très bien. C'est un enfer. Alors. Quel enfer. J'ai tout le studio qui est en train de trembler. Je sais pas ce qu'ils foutent. J'irai voir tout à l'heure, on va me chercher un manger. Alors, bon, on a du quartz. Alors j'ai mis quartz rose là, mais du coup j'ai toutes les sortes de quartz. Je vais refaire une autre étagère à côté d'ailleurs. Attends. Je vais refaire une autre pour le quartz, parce que j'en ai vraiment besoin. Quand c'est pas les ambulances, c'est les travaux, décidément. Je suis bien loti, moi. Hein.
Ok. Ok. Bah écoutez, j'ai toutes les sortes de quartz. Je vais aller récupérer un peu plus de bleu. À ce moment-là, par contre, les barres d'iridium, incroyable. Incroyable. Soufre. Alliage. Je vais prendre un peu d'oxygène aussi. Ok, je vais aller boire un peu aussi avant de partir. Qu'est-ce qu'ils foutent là avec leur marteau piqueur? C'est un délire. Ils vont faire péter les canalisations, quoi. Bon, et ben écoute, let's go retourner. Ah, attends. Question. Oui, justement, je suis en train de... Non, l'exosquelette, on l'a pas déjà fait, l'exosquelette? Qu'est-ce qui me manquait? Non, on l'a déjà fait, l'exosquelette. On l'a déjà fait. C'était pas l'exosquelette, c'était la... Voilà, ça. La micropuce de déconstruction T3 que je vais faire. Quasar, Blazar et Magnétar. Attends. Blazar et Magnétar, je vais le faire tout de suite. Bon, Blazar, j'en ai un. Voilà, et Magnétar, c'est celui-là. Ok, ça c'est bon, je peux faire la... Ça c'est chouette, déconstruction T3, ça veut dire qu'on va pouvoir faire encore plus de choses dans les vaisseaux, potentiellement. Déconstruction T3, ça c'est fait. Maintenant, puce, voilà, 2 quartz solaires pour la lampe. Oh, enfin, ah ouais. On va enfin améliorer notre lampe, ça va faire du bien. Oh là là, il fait jour en pleine nuit. Excellent. Excellent. Eh ben écoute, on est bon, on a tout ce qu'il nous faut. J'ai les bottes d'agilité 3, je les ai. Non, j'ai les bottes d'agilité 2. Et ben on va se les faire. Il me manque quoi? 2 super alliages et une poudre explosive. 2 super alliages et une poudre explosive. Eh ben super. Poudre explosive. Ah, je vais enfin avoir une bonne lampe. Je te jure. Enfin. Faire du bien. Et... Botte d'agilité 3. Super. Allez hop, je me reprends des bouteilles d'eau avant de partir. Oh là, c'est incroyable. Oh, la lampe, elle va tout changer. Attends, question, est-ce que j'aurais pas une bouteille d'oxygène là-dedans? Non, j'en ai combien sur moi? J'en ai 2. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Oui. Ça sera le gaming news au demain matin, Dark. Bon, vous savez, quand il y a des promos comme ça, en général, je fais toujours un gaming news sur les promos. Toujours. Après, j'attends de voir, parce que je sais pas si Nintendo Direct va être annoncé ou pas. Ça m'étonnerait pas. Bah, avec les promos, avec la mise à jour de la Switch, les machins, les trucs, je sais pas. J'attends pour voir. On verra. Mais si jamais, de toute façon, c'est le gaming news au demain, si jamais. On verra. Allez, bon, on va aller rechercher le quartz. Elles sont géniales, ces petites grottes. Hein. Elles sont magnifiques. Hein. C'est pas genre méga promo, méga fun, un truc comme ça? Je crois que c'est ça. Le nom de leur promo, là. Sur Switch. Un truc comme ça. Alors... Voyons voir. Il faut qu'on retrouve. Offre festival. Ouais, il y avait un truc là-dedans. J'ai vu passer un truc. Ah, ok, le canyon. C'est pas celui-là. Il doit être un peu plus loin. Quel autre? Ah oui, non, ça on l'avait déjà. Non, c'est plus à gauche. Je suis allé trop avoir. Ça doit être derrière là. C'est magnifique. Et franchement, j'ai pas l'impression que c'est le même jeu, vraiment. S'il te plaît, je pensais pas qu'il y aurait de la végétation comme ça plus tard dans le jeu. C'est génial. Oh là là, mais regardez-moi ces coffres. C'est incroyable ce qu'il y a dedans. C'est fou. Quelle merveille. Je devrais faire des balises. Donc je pense à le faire. On en avait parlé.
Je suis pas du tout au bon endroit. Je suis pas du tout au bon endroit. Je suis pas du tout au bon endroit. Pas du tout. Là, je me perds avec l'immensité des trucs. C'est par là-bas. C'est quoi, je vais peut-être essayer de le faire si j'ai le temps. J'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps. Au pire, je prends la moto d'oxygène. Voilà. Si, je vais peut-être avoir le temps. Chrome. Hop là, allez, on est reparti pour la caverne. C'était un peu plus sur la droite, c'était là. C'est juste ici. Voilà. Hop là, notre petite caverne avec notre quartz bleu. Celui-là, là. On n'en avait pas beaucoup récupéré. Regarde-moi ça. Bilo 0, moins 70%. Ah ouais, fonce. Fonce. Oh là, c'est magnifique cet endroit. Cet endroit est fou. Ah bah il y a même une caisse là. Attends. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh là là, mais regarde-moi ça. Et en plus, on a du mutagène. Ah, je suis déjà plein. Je suis déjà plein, tellement il y a de trucs ici. Incroyable. Attends, il doit y avoir du quartz solaire encore. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a du quartz... Oh, dis donc. Oh, il y a deux caisses. Oh. Attends, je vais stocker toutes les merdes que j'ai. Oh, c'est pas de la merde, on sait jamais. Oh, il y a deux moteurs, mais incroyable! Mais attends, mais c'est quoi ces caisses de folie? Les graines de Tuska, bouteille d'eau, oxygène. Incroyable! Non, mais c'est une folie! Je suis déjà rempli avec tout ce qu'il y avait là. Attends, j'aurais aimé avoir un sac à dos plus gros. Oh, punaise, il y avait encore du quartz solaire. C'est une dinguerie en fait cet endroit. Quelle merveille! Je suis fou là en fait. C'est quoi ce que je vais faire? C'est que je vais la jouer autrement. Je vais stocker ça. Je vais stocker ça ici. Et je ferai des allers-retours. Ça reviendra au même. Non, tu sais quoi? Je vais faire ça et je vais le stocker là-dedans. Je vais le stocker là-dedans et je ferai des allers-retours. De toute façon, on aura le téléporteur aussi dans un certain bout de temps. Ça va être cool. Ah, le téléporteur, j'ai hâte de le déverrouiller parce que ça va tellement faire du bien. Oh, ça va être une merveille. Là, tu le mets dans les mines, tu fais les allers-retours. Oh. On a vu qu'on pouvait le débloquer. Oh là là. Ça va être incroyable. Ce jeu est fou. Ce jeu est fou. Je pensais pas que ça allait être aussi bien. Regarde-moi ce truc là, c'est fou. Allez, on retourne. On retourne récupérer ce qui reste. Attends, j'avais pas vu ça. C'est quoi ça? Ouais, pas grand chose. Attends, j'ai vu qu'il y en avait un ici. M'intéresse. C'est quoi? C'est quoi celui-là? Ah, c'est un verre. Okay. Ils étaient où les deux coffres là? Y'a quoi par ici? Ah, bah très bien, du quartz solaire qui m'intéresse. Des Q11 à 30 euros. Ah ouais, ça vaut le coup. Effectivement, ça vaut le coup. Non, mais en général, les promos sur le e-shop, elles sont bien. Elles sont chouettes. Jusqu'à. J'ai pas compris ton message, Dralemos. J'ai pas compris.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on approche des 60 heures. Et que je m'éclate toujours autant avec plein de choses différentes dans le jeu. Je trouve ça incroyable. En fait, je trouve ça incroyable que tu arrives à renouveler ton jeu sur une aussi longue durée. Ah, il y a une démo de Planet Crafter ? Ah bah j'en ai aucune idée jusqu'où on va. Je savais même pas qu'il y avait une démo, donc je savais pas. Je le découvre avec ton message, donc je sais pas. Bon, je pense que t'as vu suffisamment de gameplay sur le stream pour ne pas avoir à taper la démo et potentiellement recommencer tout le truc. Hein. Quoique peut-être que la sauvegarde de la démo est ce transfert, je sais pas, mais... Qu'est-ce qu'on a fait ici ? Oh. 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 Ah oui d'accord, on est carrément dans une grotte, dans une autre grotte. C'est incroyable. Ah oui d'accord, j'arrive au, tout au bout. Ah d'accord, j'arrive là. C'est ça que je crois que j'en ai pas mal du quartz rose. C'est quoi celui-là? Ah le violet, j'en ai presque pas. Oui. Ah le violet, j'en ai quasiment aucun. Ah, une larve. Oh, une larve, trop bien. Allez donc. Ça devient rare. Je sais même... J'ai rien à jeter tellement... Ah si, merde. J'ai trop de choses sur moi. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. Ce jeu est trop fou. Vas-y, je sors d'ici, je retourne... Ok, je retourne récupérer mon truc. Ça doit être tout au bout là-bas, ouais. Ah, j'arrive à me repérer, ça y est. Ok, alors ce qui est bien, c'est qu'on a une larve aussi. Pour l'instant, je peux pas les utiliser, j'ai l'impression. Il faudrait les mettre dans un incubateur que je n'ai pas encore débloqué. Alors. Est-ce que... Ah oui, c'est déjà blindé. Mon truc est déjà blindé. Bah écoute, on va faire l'aller-retour à la maison. On va refaire l'aller-retour à la maison. Vas-y. Bon, il faut que j'arrive à capter pour que ça soit tout droit. J'ai juste à y aller en... On va regarder où est-ce qu'on passe. Là. Et donc je passe... Ah bah tout pile, ok, c'est juste ici. Ok, bah c'est juste en face de chez moi. J'ai juste à aller tout droit. Voilà, même pas besoin de dévier. C'est tout droit. Excellent. Ba-da-da. Alors, jaune et vert et bleu. Voilà, et là on va mettre le rose et le violet. Ok. Ah oui, attends, j'avais un truc électronique là qui est plein. Mais je vais mettre dans le bioplastique. Non, pas celui-là. Attends. Oh, c'est blindé, c'est fou en fait. Bon, j'ai deux mutagènes. Ok, les graines, je vais mettre les graines avec. J'ai les barres et le soufre. Hello à ceux qui débarquent. Putain, on est très très bien là. Ah, j'ai même plus de place pour l'iridium, s'il te plaît. Non, j'avais envie d'une grosse base. J'avais pas envie de plusieurs petites bases parce qu'en fait, toutes mes ressources, j'ai tellement de ressources différentes que ça serait merdique de. Enfin, ça serait problématique de tout disperser dans plein de choses. Ça poserait problème de tout disperser, moi je veux pas. Après, chacun fonctionne comme il le souhaite. Moi j'aime bien avoir une grosse base qui est au centre et pouvoir gérer comme ça, tu vois. Au niveau de l'oxygène, c'est quoi ce qu'on va faire? C'est qu'on va se faire peut-être un stock d'oxygène aussi. Ça pourrait être pas mal. Bon, au moins on sait où est la grotte, on sait ce qu'on a à récupérer. Déjà, on va récupérer le méthane. Et au pire, on verra si ça nous fait de l'oxygène. Ça, c'est bon. On a fait tout notre stock de silicium, on est bon. Hop, on va aller stocker. Bah, tu sais quoi, le cobalt, regarde. 1, 2, 3, 4. Je vais tout prendre. On va se faire un stock d'oxygène. Voilà.
On va se faire notre petit stock d'oxygène. J'en garde une avec moi. Et on stocke le méthane là-bas. Je récupérerai du cobalt aussi. Parce qu'on en aura besoin. Méthane, méthane, méthane. Ici. Ok, on a ce qu'il faut. Le cobalt, je peux le restocker. Cobalt, 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 cobalt ici. J'en profite deux petites secondes. Attends, bougez pas. Okay. Allez hop. On est parfait et je crois qu'on a ce qu'il faut. Moi j'ai pas envie de faire plusieurs petites bases, tu vois. Voilà. Droit juste ici. Alors attends, peut-être que j'arrive à passer. Non, c'est là, je crois. On est où? La verdure ressemble à une peau de reptile. Allez, je fais l'aller-retour tout de suite. Comme ça, on est good. Et je récupère tout dans la maison. Faudrait que je vois un petit peu. Je sais que j'ai reçu des coordonnées hier que par message là. Qu'il soit pas sur Switch. Peut-être un jour. Peut-être. Bon, par contre, j'ai suffisamment de moteur. Hein. On est bien là. L'engrais, je le laisse là ou pas? Ou est-ce que je le mets avec. Je le mettrai pas avec les algues. Je le mets avec les algues. Parfait, on a ce qu'il faut aussi. On a ce qu'il faut. Ah, j'ai plus de place pour les quartz. Sérieux? Déjà? D'ailleurs, j'en ai récupéré masse. Oh, les barres d'iridium, j'en ai tellement! Vache! En fait, ils vont mettre partout des barres d'iridium. Bah écoute, je vais devoir le stocker avec l'uranium, hein, j'ai pas le choix. Pas forcément le bon plan, mais... pareil, l'osmium, si j'ai encore un petit peu de place. Ok. Et bah les graines. Ça, je pourrais les mettre dehors, les graines de Tusca, parce que ça va être pas mal. Ouais, écoute, on se fait des petits mélanges dans nos trucs. Ouais, ouais. Ok, bon. J'aurais bien aimé trouver les graines, les fameuses graines qui m'auraient permis de
d'envoyer d'autres missiles, enfin d'autres fusées dans l'espace. Malheureusement, j'en ai pas là. Tant pis. Allez, vas-y, on est parti. Allumer. Allez hop. T'as la lumière, elle fait du bien aussi. Bon, du coup, on n'a pas encore fait péter de choses avec notre... explosif. On a trouvé des grottes. Mais je crois qu'il y avait quelque chose à ouvrir par ici. Ah bah non. Le soleil s'est levé ici. Je crois que j'avais laissé quelque chose là-dedans. Ouais, j'avais encore une barre d'iridium, s'il te plaît. C'est trop. C'est trop d'iridium, on en manquait, maintenant on en a trop. C'est... incroyable. Alors, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'était dans une caverne. Par là, non? Non, c'est... Ah bah non, ça c'est le quartz, violet. Il y a aussi du quartz violet ici. C'est encore un autre endroit, ça. Non, mais c'est abusé. Oh, engrais T2. Excellent. Oh, bah tiens, la graine de l'Irma, c'est ça que je cherchais. Excellent. T'as encore des barres d'iridium. Mais c'est fou. C'est fou. Il y a que ça ici. Possible. Encore des barres d'iridium ou pas? Non. Pas cette fois-ci. Bon. Parfait. Je me suis dit, attends, un délire. Souffre. Attends, souffre. Souffre. Ok. Souffre. Ouais, bon, ça ira. Ça ira pour cette fois. Ça ira. Allez, hop. Je crois... Déjà, elle est derrière cette cascade ou pas? Non, c'est celle d'en bas où on avait été. Je crois que c'était derrière. Donc là, je sais qu'il y avait une grotte. C'était là, c'est au fond, là, à gauche, au fond, à gauche. Voilà, c'est ici. Ok, allez. On va mettre l'explosif bien là, là. Allez, c'est parti. Eh ben, décidément, il y a ce qu'il faut à faire péter. Il va en falloir plus que deux, hein. Ok, il va falloir faire enfin, plus que deux, c'est sûr. Ouais. À mon avis, deux suffira pas. Ça suffira pas. Ouais, c'était sûr. Ah si. Oh si. On a réussi à passer. Ok, c'est une station. Je peux pas rentrer. Attends. Je peux pas rentrer dans la station. Il me faut la carte. Punaise. J'aurais dû la récupérer dans le vaisseau où j'avais été. Ah mais je pensais pas qu'en fait je pouvais la récupérer. Ah mais c'est la même carte. Attends, je vais la chercher. J'esquive. Ah, j'ai pas de bouteille d'oxygène. Je ne pensais pas que c'était la même carte. Elle doit ouvrir tous les vaisseaux. Attends, j'y vais. C'est loin? Non, c'est pas si loin que ça. C'était... Alors attends, c'était dans le vaisseau ou c'était dans le... Non, c'était dans le mur derrière. Ok, je vais repasser par la base. J'ai des trucs sur moi? Ouais, je vais... Ok, je vais récupérer la carte. La fameuse carte jaune qu'on a utilisée dans les épisodes d'avant. Je suis sûr que je peux la récupérer. Mmh.
Je pensais pas que je pouvais la récupérer. Je pensais qu'elle avait été utilisée. Après, est-ce que je peux la récupérer, la carte, dans le truc? Si, ça devrait refermer la porte. J'ai même pas checké. Je sais pas. Bon, déjà, attends. Et si j'envoyais déjà la fusée? Et si j'envoyais la fusée? Il me fallait ça, la graine de l'Irma. Je crois qu'il me faut également... Attends, je vais aller checker, ce sera plus simple. Je vais envoyer ça avant de partir. Alors, on va y voir. Plante, ok. Engrais, écorce d'arbre, c'est juste ça. On a tout ce qu'il faut. Engrais. Et écorce d'arbre. Et en vrai, je pourrais en envoyer d'autres, des graines de l'Irma, et ce serait peut-être même plus intéressant de le faire. On fera ça après. C'est quoi, genre, je renverrai une fusée quand on rentrera de notre petit périple. J'ai ce qu'il faut ou pas? Non. Ouais. Bye, bon appétit. Bon appétit. Allez, on est bon. Du coup, je peux envoyer ça. Attends. Ouais, si. Allez, hop. Vas-y, c'est parti. Fusée à plante, oui, et envoyer. Ok, j'ai mon engrais T2 à stocker, ça c'est bien. Et on enverra une deuxième fusée tout à l'heure. Ok, l'engrais T2 ça me va. Et j'ai pas besoin de reprendre de l'explosif, j'en referai plus tard. Peut-être que si on a le temps, je passerai récupérer mon extraction d'uranium. Bon, il faut que j'arrive à retrouver l'endroit. C'était ici. C'était là. C'était par là. C'était pas au sous-sol? Si, c'était au sous-sol. Attends. Là. Ah, si je dis pas de bêtises, ça devait être par là, au fond à droite. Je crois. Là. Oh, je peux pas la récupérer, putain. Je peux pas la récupérer. C'est dommage. Bon, bah ok. Donc, ce qui veut dire faut que j'en trouve une autre ailleurs. C'est noté. Ok. Bon. Je pensais vraiment qu'on allait pouvoir récupérer la carte. Ah bah c'est au choix, hein. Je pense que tu choisis ce que tu veux ouvrir. Bon, il faut qu'on trouve une autre carte. Ça va être chaud patate. Ok, et eh bah c'est noté. Tant pis. Ok. J'aurais dû m'en douter. J'ai essayé, hein, mais bon. Voilà. Si, je vais peut-être aller voir dans la tour de contrôle à droite aussi. Ah, j'avais dit que je voulais renvoyer une fusée de toute manière. Ok, j'ai beaucoup de plantes. Il faudra qu'on les utilise de toute manière aussi. Parce que j'en ai beaucoup à mettre. Là, ça, je me mets ici. Super allié. Attends, là, j'ai les graines qui me servent à rien. J'aurais peut-être pas dû les récupérer, les graines d'ailleurs. Ils me servent à rien, les graines. Ah, attends. Par contre, là, il y a des trucs qui vont tomber. Je pense qu'il y a des trucs qui vont tomber. Je sais pas.
pas si c'est du super habillage ou pas, je pense pas. Mais ça aurait été bien. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a tombé? Je pense que c'est des trucs classiques, sinon on les aurait vu tomber davantage. Après du soufre, j'aurais pas dit non. On attend un déconstructeur T3, donc on est nickel. Salut Boons. Hello. Et c'est parfait. Oh, cette végétation là qui arrive, fantastique. Et encore, on est qu'au début. Là, je vais grimper là. On va aller voir. Je me demande s'il y a des choses à déconstruire ou pas là-dedans. Je suis pas sûr. Ah, il y avait un mec, d'accord, ils ont même carrément mis ça, plus simple. Alors, voyons voir. Est-ce que j'avais quelque chose à l'intérieur? Non. Non, c'était vraiment juste... Ah, je pensais, je me suis demandé. Non. Ok, bah écoute, c'est fait. Très bien. Pas de soucis pour moi. Pas de soucis pour moi. Ah ouais, attends, je vais aller voir par là. Je vais aller checker, peut-être qu'on a du temps. Parce qu'il y a des choses qui ont dû s'ouvrir aussi par ici. Oh là là. J'ai loupé quoi? T'as loupé qu'on a découvert la caverne au quartz solaire et au quartz bleu là, et violet. Du coup, j'ai pu construire ma dernière torche, mon dernier déconstructeur, et on avance, tout simplement. Voilà, on avance tranquillou, ça se passe très bien. On a découvert des choses cool. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, tiens. Attends. Je crois qu'on avait tout fait en bas là. Je check quand même au cas où. Ah, déjà la dernière lampe elle fait vraiment du bien. Ouais, j'ai rien à récupérer là-dedans. Non bah on est bon. Voilà, on a bien avancé là. C'est cool. Bah, je suis content d'avoir trouvé les quartz là. Ça m'a permis vraiment de construire mes dernières améliorations. Par contre, j'ai pas pris avec moi d'explosifs là. J'aurais peut-être dû. Tant pis. On verra. Oui, j'ai utilisé des explosifs là. Mais j'ai découvert une navette où je peux pas rentrer pour l'instant, il me faut la carte. Et la carte, j'en ai déjà utilisé une. Malheureusement, j'en ai plus. Oula. Ça c'est parce que les développeurs ont bossé jusqu'ici et qu'après ils ont relié un autre morceau, pour info. Yes, j'aime bien voir ça dans les jeux. Est-ce que j'aurai d'autres choses à déconstruire ici? Non, pas sûr. J'ai un coffre. J'ai trouvé tellement de... Pourquoi je peux pas utiliser mon jetpack? C'est bizarre. Ah, j'ai une colère encore, je l'avais pas vu. Ah bah crâne de l'Irma, excellent, parfait. Alors, là je suis déjà venu, mais on va aller voir si je peux déconstruire des trucs un peu plus. Ah, c'est sûr que quand t'as le jetpack, ici c'est pas la même histoire. Ah bah celui-là je l'avais pas vu par exemple. Tiens, encore une graine de l'Irma. Très bien, je vais prendre l'aluminium aussi. L'iridium, j'en ai pas besoin. Ah, tiens. Bref, là, je le laisse là. Ok, ça, je l'avais déjà fait. Ok. Je check un peu. Tiens.
Voilà, ça je l'avais pas vu ça. Oh, oh, oh oui, effectivement. Ouais, ben mon cochon. Excellent. Ok. Cobalt. Là, je vais prendre l'aluminium quand même. Voilà. Et je crois qu'on est good. Ok, on est bon pour ici. La musique qui s'est barrée. Ok, donc ça c'est fait. On reste quelques places. Ah, mais le problème c'est que sans place, je vais pas aller bien. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, par contre, j'ai combien ? 3 graines de Lyrma. Oh, ça va partir dans l'espace tout ça. Ça va partir dans l'espace tout ça. Ça n'avait pas fondu la dernière fois ici. Ok, où est-ce que ça m'emmène ? Ah, soufre. Oui. Je prends. Oh. Dis donc. Très vite, hein. Pas passer là ? Tu peux pas passer. Ah, coffre. Oh, encore une graine de Lyrma. Incroyable ! Alors, tout ça, ça part dans l'espace, ça je vous le dis. Ça va aller vite après. Incroyable. Décidément, moi qui en manquais, là, on en a 4 d'un coup. La boss lui-même, j'ai ce qu'il faut. Bon, bah, super. T'as combien ? 1, 2, 3, 4, c'est ça ? Plus je crois que j'ai 4 réacteurs pour 4 fusées différentes. Ouais, j'ai trouvé pas mal de choses dedans. Mais j'ai encore plein de choses à explorer. J'ai construit un petit baraquement à l'entrée du biome, enfin, du biome des quartz. J'ai construit un baraquement, il faut que j'y retourne pour terminer. Ah oui, j'étais déjà venu ici. J'ai encore des choses à récupérer dedans. Elles servent à quoi ces graines ? Là, elles vont me servir à balancer des fusées pour accroître les plantes, en gros. Pour que ça pousse encore plus vite. Là, je reviens directement à la base. C'est très bien. Je vais en profiter. Ouais, non, j'ai ce qu'il faut. Allez, let's go à la base. Le petit raccourci est parfait. Hop là. Let's go la casse. Et on va envoyer les petites fusées. Bonjour Banana. Salut Spikef. Ça va ? Hop là, mais ça va très bien ma foi. Il faut que je fasse des trucs explosifs. Donc je vais récupérer un peu d'iridium, tout ce qu'il faut. 1, 2, 3. Et je vais stocker un soufre. Ah bah attends, j'avais dit 4. Attends, 4. Voilà, comme ça je me fais mes 4 petits sachets explosifs. Ah, larve de papillon. Okay. Très bien. En engrais, on a quoi ? Voilà, 1, 2, 3. Il m'en faut un de plus. Engrais, attends. 3 algues, 2 aubergines. Ah, j'ai plus d'algues. Ah, j'ai plus d'algues. Tiens, tiens. Salut, Sabot. Alors, Edouard, c'est O-U-A-R-D. Pour info. Ok, un soufre, il faut 3 algues. Il faut de l'eau aussi, je crois. Et bonjour à toi. 1, 2, 3. Ok, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Je peux envoyer les 4 fusées d'un coup. Ah, on souffre. Ah bah j'en avais là des aubergines, évidemment. Ok.
4, 4. Je vais stocker mon aluminium. Non, j'ai pas encore fait manipulateur d'AD. Pas encore. J'en ai une, écorce d'arbre. Il m'en faudrait 3 de plus. Je vais aller les chercher. Normalement, je vais avoir ce qu'il faut. Là, j'en ai 2. Ouais. 2, 3. Et la quatrième. Je crois que j'ai suffisamment de fusées aussi. 4. Là, j'ai un réacteur. Il m'en faut encore 3 autres. Normalement, j'en ai dans le... Ah, est-ce que j'en ai encore 3 autres? J'en avais récupéré pas mal, hein, quand même. Hein. Regarde. Ah, il me manquera un seul. Il me manquera un seul. Je crois qu'il me faut une barre d'iridium. Ah, qu'est-ce qu'il me faut pour le réacteur? Barre d'iridium, 2 uranium. Ok, 2 uranium, j'ai ce qu'il faut. Attends, on a vraiment tout ce qu'il faut, là, en termes de ressources. Attends, regarde, regarde. 1, 2, 3, 4, 5 barres d'iridium. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 barres d'iridium. Je te jure. Ça me fume. Ok, et ben, il me manquera... 1, 2, 3, 4. Allez, on est bon. C'est parti pour envoyer les fusées. Ça va accroître rapidement notre oxygène aussi. Allez, fusée à plante. Une. Dis-moi qu'elles vont partir toutes ensemble. Je voulais essayer, ok, j'ai envie d'essayer. C'est magnifique. Le fameux bug des fusées. Oh là là, c'est magnifique, regarde. Elles se font l'amour. Elles se font l'amour. Elles se font l'amour. Ah, ça y est, ah, ça y est, ça y est, elles sont dans l'espace. Bon. Eh bien, ça y est, elles sont dans l'espace. Je te jure. Je voulais essayer, voilà. Derrière moi, la biomasse qui augmente à une vitesse folle, du coup. On aime, c'est ça, la reproduction des fusées. Tu vois. À l'envoi des fusées, tu peux sauter dessus pour aller, pour la faire aller n'importe où, ça peut t'amuser. Ah, c'est cool ça. Je savais pas. Ah bah, du coup, j'ai fait les explosifs et ils ne servent à rien. Bah, ça me servira pour faire des explosifs. Au moins, j'ai fait ça pour quelque chose. Ah, mais attends, mais il me reste une. Il me reste une graine de l'Irma. Attends, il me reste une graine de l'Irma. Il me reste une. 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 On va se l'envoyer. Bon, je pense qu'on va peut-être arrêter l'épisode là. Je vais aller manger aussi. Je reviendrai dans l'après-midi de toute manière. De toute façon, on a débloqué beaucoup de trucs là. Attends, tu sais quoi, je vais peut-être remplir mon placard d'algues. Ça serait bien. Tu peux plus? Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Ah. Voilà, remplis-moi ton placard d'algues, toi. Paf. T'as pas envie de partir, j'ai pas fini ma séance de muscu. Bah voyons. Bah voyons. Je suis Netflix, quoi. Non, j'ai pas mis fin à l'épisode sur Netflix, tu peux pas, c'est moi qui décide avec le bouton. Attends. Alors, attends. Les algues. Oui, oui, je regarderai après pour le manipulateur d'oxygène, je regarderai dans le prochain épisode. Je regarderai dans le prochain épisode. Merci Père Noël. Merci Père Noël pour ton cheers qui fait baisser la vitre comme un cycliste. Notre cycliste se prend des dégâts. Coucou à toi. Allez. Engrais. Engrais, c'est bon. Ça, c'est bon. Il va me falloir... on avait dit qu'il m'en fallait 2. Oui. Barre d'iridium. Bon, j'en prends une là, de toute façon. Ça sert pas à demander. Et 2 uranium, c'est pas ça? Ouais, ouais, bon, j'ai même pris plus que nécessaire d'ailleurs. Là, je suis toujours persuadé qu'il faut la poudre explosif, mais pas du tout. Il me manque juste le. Les branches.
peu ça. Ok, normalement on est bon et ça va pouvoir partir. On va essayer. Bon, je suis content, c'est un épisode dédié au quartz aujourd'hui. Le tableau avant de terminer ce petit épisode. Bon, c'est bien parce qu'on a beaucoup beaucoup de choses. Je vais mettre ça dans les tenues, peu importe. J'ai plus de place de toute façon. Pas trop le choix. On est quasiment full en tout sauf en super alliage, mais ça va, honnêtement. Ok. Eh ben écoutez, let's go checker les jauges. Attends, avant de checker les jauges, on va aller checker. On va checker ça. On en est où? Chauffage T5 à 8,30. Bon, on a le temps. 8 kilotonnes. Larve de papillon. Ok. Bon, évidemment, en termes d'insectes, on n'est pas très bon. Mais manipulateur d'ADN, c'est possible qu'on puisse changer les larves en larves de papillon, je pense. C'est comme ça qu'on pourra peut-être changer les larves. On verra ça dans le prochain épisode. Fusée diffuseur d'insectes. Foreuse T5. Et bah écoutez, nickel. Hein. C'est nickel. On avance très très bien. Et regardez-moi ce petit tableau là, magnifique. Il y a juste la pression à la limite qu'il faudra gérer un peu plus. La biomasse, on est bon. Écoutez, super! Allez hop, on sauvegarde. Et c'est la fin de ce bel épisode qui sera un épisode dédié au quartz, je pense.